Salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve aujourd'hui sur Red Dead Eternal avec un autre personnage. Donc aujourd'hui, c'est pas un épisode de Red Dead Eternal de Let's Play. C'est un épisode assez spécial parce que c'est une autre annonce. Donc il va y avoir quelques changements, ben quelques. Un changement majeur sur ma chaîne. Mais il est pas si majeur que ça en fait. Bon, enfin, vous allez comprendre. Donc. Déjà, bon, j'ai acheté un. Non, j'ai pas acheté de micro. J'ai trouvé un micro, donc j'espère que le son va être bon. Je vais en acheter un en juin. Mais avant, ça va être ce micro-là. Donc j'espère que le son est bon. Sinon, l'annonce qu'il y a à faire, c'est que je vais arrêter les let's play sur tous les jeux. Donc définitivement, je crois, enfin. Peut-être je reprendrai un jour, mais je vais arrêter les let's play, mais ça veut pas dire que j'arrête les vidéos. Parce que j'ai juste changé de style de vidéo, je vais encore faire des vidéos sur Eden Eternal, mais en fait je vais me consacrer à Eden Eternal et je vais faire des tutoriels. Donc bon, sur les sujets ça va être très vague, enfin, très varié plutôt. Donc ça peut être des tutoriels sur des trucs assez simples que bah, tout le monde devrait connaître, mais qu'il y en a qui ne connaissent pas, ou des trucs plus compliqué comme la boîte mystique par exemple, pas la boîte, non ça c'est les archives, pardon, comme, je recommence, comme la boîte mystique, qui est assez compliquée quand on la connaît pas, mais qui est très utile, donc ça risque d'être un des prochains tutos que je vais faire, mais il faut juste que je réunisse les matériaux qu'il me faut, sinon je vais faire des tutoriels sur, mettons, un des prochains aussi que je vais faire, ça va être comment faire pour augmenter sa vitesse de déplacement. Comme moi, en ce moment, je suis à 35%, il faut encore que j'augmente. Mais c'est ça. Donc les tutoriels, ça veut dire que si je fais des tutoriels, ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre des vidéos moins souvent en ligne, en fait. Mais c'est parce qu'il faut que je me prépare. Comme, mettons, si je veux faire un tutoriel sur la boîte mystique, il va falloir que je réunisse tous les objets pour pouvoir vous expliquer les 5 fonctions. Ensuite, si je veux faire un tutoriel, par exemple, encore sur la vitesse de déplacement, il faut que je récupère les objets pour augmenter ma vitesse, pour vous montrer des choses. Et aussi que j'ai du succès, et ainsi de suite. Donc, je suis désolée encore de tous ces changements. C'est juste que je cherchais un peu mon style de vidéo que j'aimais faire. C'est pas, je me rends compte avec le temps que c'est pas vraiment les let's play. Et en fait, c'était le problème, vous vous souvenez sûrement quand j'ai arrêté PokéMMO. Je crois que le problème, c'était pas le jeu en tant que tel qui me tannait, c'était de faire des let's play. Puis ça, je le comprends maintenant. C'est. Mettons, je commence à être un peu. Ça m'ennuie un peu. Mais ça m'ennuie pas, mais je prends moins de plaisir qu'avant encore une fois à tourner les vidéos sur Eden Eternal. Mais c'est pas parce que j'aime pas Eden Eternal, c'est parce que je. Mon sujet, enfin, c'est le type de mes vidéos qui me comprend, qui me convient pas. Et donc, j'ai arrêté de faire des let's play. Et vous avez vu aussi, je commençais à ralentir un peu sur les Assassin's Creed, j'en sortais plus. En fait, ça fait 2 semaines que j'en sors plus, et ainsi de suite. Donc, les let's play, ça va être fini. Et ça va être. Ma chaîne va maintenant être concentrée à. De à consacrée, pardon, à Eden Eternal. Et je vais faire des tutoriels uniquement. Peut-être des fois, je ferai des. En fait, pas forcément des tutoriels. Ça peut être des astuces, des astuces et des tutoriels en fait. Mais ça va être vraiment consacré à Eden Eternal. Donc c'était une vidéo assez courte. J'espère que j'ai rien oublié. Donc vous voyez, ça c'est mon nouveau personnage. Je crois que c'est avec lui que je vais faire en partie les tutoriels. Je vais faire aussi avec un peu de Tania de Celestia et Tania, mon autre personnage. J'en ai une autre aussi que c'est Yamaruya, ou je sais pas trop comment ça se dit, mais peut-être avec lui aussi. Je vais peut-être me créer d'autres personnages aussi pour si je veux faire des tutoriels spécifiques à une classe, une race ou des choses comme ça. Si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas à me les dire. J'ai beaucoup d'idées en ce moment, donc je vais peut-être pas regarder tout de suite vos idées. Mais pour plus tard, c'est certain que je vais avoir besoin de vos idées. Pour le moment, par contre, ça va me prendre beaucoup de temps de préparer les tutoriels, donc peut-être un tutoriel, ça va pas sortir à toutes les semaines, je vous dirais. Donc tout ça pour dire que le rythme de mes vidéos va être, de sortie de mes vidéos va être vraiment plus lent. Je vais pas sortir de vidéos à toutes les semaines, c'est certain. Sinon, je change, j'arrête
Let's play pour des tutoriels et j'espère que ça n'en soit pas trop. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Tania. Ah non, j'ai encore manqué ma fin. J'ai vraiment un don pour manquer mes fins de vidéo. Bon, donc je vais vous dire, c'est pas liker ma vidéo, commenter pour laisser des idées ou votre opinion sur ces changements-là. Vous abonner à ma chaîne, je l'ai sûrement dit, mais c'est pas grave. Et c'était Tania, à la prochaine!